Je découvre comment ça marche, hein. Ok, ça marche. Le chat fonctionne. C'est pas ouf. Mais ça fonctionne à peu près. Et bonjour, un live du midi où il y aura absolument pas grand monde et c'est cool, on est en petit comité pour parler calmement. Bonsoir à tous. Pourquoi ça a démarré? Mais que voit-elle? Mais je veux bien utiliser Cookie, moi! Il me dit d'accepter les cookies, mais je veux bien, moi. Oh là là, quel bordel. Oh là 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 là, quel cirque. J'arrive pas à poster le message. Si, 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 ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Ah, c'est le bordel, hein. Franchement, C'est le bazar. Est-ce que si je fais plutôt... Capture de l'écran, screen. Et je choisis ça. Ah oui. C'est mieux. Enfin, c'est pas ouf, hein. Ça va être l'enfer. Va falloir un petit temps d'adaptation, hein. Top la qualité. Ah, je sais pas ce que ça donne comparé à Twitch au niveau de la qualité, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que vous devez tous venir. Là, c'est vraiment le test, hein. On est vraiment sur une session test et tout, hein. Rien de fou, mais oui, la qualité a l'air meilleure. Ah, ok, bon, bah tant mieux, hein. Je sais pas encore comment tout configurer, il va falloir que je passe du temps là-dessus. Mais voilà, c'est important de vous faire venir, de vous expliquer pourquoi, comment, etc. Ouais, j'ai 10 followers, waouh, et je suis en streaming. 38 spectateurs, ok. Pourquoi c'est marqué que je suis offline? Mon stream a été arrêté. Ah non, c'est bon, il est revenu. Aïe aïe aïe, quel bordel. Nous non plus, on comprend pas tout. Ah ouais, non, mais c'est le bazar. C'est le bazar. Bon, après, ça ressemble beaucoup à Twitch, hein. Ça ressemble vraiment beaucoup à Twitch au niveau qualité vidéo. Enfin, au niveau gestion, l'interface et tout ça, ça devrait pas trop vous changer. Mais voilà, c'est un petit peu le bazar. Là, vous êtes 38. Hop. Juste faire une petite story. Donc, n'hésitez pas à créer un compte pour follow et tout ça. Je vous ai suivi avec le même nom que sur Twitch. Ah bah voilà, remettez les mêmes pseudos, comme ça je sais qui est qui. C'est parfait. Bon, il n'y a pas de monétisation encore, là je travaille gratuitement. Il n'y a pas de monétisation encore. Pouh, quel bordel, je vous raconte pas. Ouais, DPTHMS, c'est bon, je te reconnais, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Oh! 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 J'étais parti! C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça.
Ah bah ça ne fonctionne pas. Je voulais virer les trucs là, mais bon, ça sert à rien. Moi ça me fait bizarre, j'ai plus le chat à droite. Je l'ai là. Mais ça stream pas sur Twitch au moins là. Je suis pas sur Twitch. Non, je suis bon, je suis sur Kick. Ok, réunion pour les hauts. Ah, tais-toi, tais-toi toi. Bonjour, tut. Bon, vous êtes quand même une trentaine là sur le live, je crois. Attendez, je regarde. Putain, faut que je switch à chaque fois, c'est chiant. 48. On peut annuler notre abonnement Twitch. Oui, là je peux le dire, annuler votre prime de Twitch. Hein. Déjà que de toute façon Twitch avait changé les règles et que maintenant les primes de Twitch étaient largement moins payés. Genre c'était 90 centimes, un truc comme ça. Là, Ah, elle aura annulé son live, je me disais. Donc, je vais vous expliquer, je le mettrai en replay, du coup, sur YouTube. Combien de temps, du coup, pour ta motivation ? Un mois. À partir d'aujourd'hui, c'est dans un mois que je pourrai postuler et devenir partenaire. Donc, en gros, j'ai un mois où je vais travailler gratos. Enfin, gratos. J'aurai les replays et tout ça, comme d'habitude, je mets les replays de live et tout, mais voilà, c'est un mois qui va sauter. C'est comme ça, hein, pas le choix. Aïe aïe aïe, quelle histoire. En tout cas, le screen capture, ça marche plutôt bien. Mais je pense que je passerai plutôt sur l'URL que le screen capture pour le chat. Ça sera beaucoup plus pratique. Parce que le seul problème dans le chat, c'est les cookies. Là, ils me mettaient leur merde de cookies, là. Faudrait que je l'ouvre, là. J'accepte les cookies peut-être. Oui, accepter. Que j'ouvre Edge et que j'accepte les cookies aussi. Accepter. Et là, du coup, si je fais source du navigateur, tac, ajouter. Ah, c'est bon. Ah, si, vous voyez, il y a les cookies là. Mais comment je les accepte ces cookies? Il l'avait dit, le mec, dans la vidéo, parce que j'ai une vidéo qui est en ligne, là, pour m'aider à tout configurer. Et vous voyez, il y a le gros truc de cookie, parce que le chat sera mieux avec ça. Mais bon. Tu nous fais installer des trucs, hein. Bon, après, Kick, ça reste relativement bien connu, hein. Oui, vous pouvez... Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous abonner. Vous ne pouvez pas vous abonner, ça sert à rien, j'ai pas de monétisation actuellement. La monétisation sera activable dans 30 jours, à peu près, ou alors moins, si je respecte les conditions et tout ça. C'est pour ça, venez sur le LiveKick. Franchement, pour vous, hormis que c'est une autre application que Twitch, ça ne vous change rien. Avant, vous étiez sur Twitch, maintenant, vous êtes sur Kick. Il y a juste le Prime, forcément, qui est plus disponible. Mais bon, très honnêtement, le Prime, moi, me rapportait quasiment rien. Pas cette plateforme, ça fait quand même des mois que tout le monde en parle, que beaucoup de streamers sont passés sur Kick. Tu quittes Twitch à cause de leur système de monétisation. Alors, c'est bien plus grave que ça. C'est que les replays seront possibles. Oui, bah, comme Twitch. Si vous êtes Prime, Abo et tout, vous aurez accès aux replays complets des lives et tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Comme je vous dis, je ne suis pas encore monétisé, je ne suis pas partenaire. Mais quand je serai partenaire, vous aurez accès aux replays, machin et tout. Pas de problème, tu vois. Donc tout ça, c'est à moi de le configurer et tout. Donc je le configurerai. J'ai Studio, Vidéo à la demande, VODs. You have not VODs yet et tout. Ça me semble quand même vachement moins bordel que Twitch, hein. Ouais, c'est quand même moins bordel que Twitch, je trouve. Hein. Donc j'active l'authentification à double facteur. Monétisation revenu, pour l'instant, ce n'est pas disponible. Ça viendra quand ça viendra, dès que je pourrai le postuler, en espérant que ça soit assez rapide. Alors déjà, quand j'avais été... Alors attendez, je veux juste regarder un truc. Stream, smoking... Voilà, ils disent « Kick n'empêche pas de fumer en live. » Même, ils vont même pas chercher ce que tu fumes. Mais en effet, que la marijuana, faut faire gaffe. Donc c'est bon, je peux fumer en live. Je regardais, hein. Parce que c'est pas ça. C'est pas pour ça que Twitch... Alors, vous le savez, j'ai été banni de Twitch il y a quelques mois. Pour quelques jours, hein. Parce qu'ils avaient pas trop aimé ce que j'avais dit sur les vegans, machin, etc. Et à ce moment-là, Kick faisait parler de lui, mais partout. Tout le monde parlait de Kick, c'est génial, il rémunère tellement bien les streamers, c'est juste la folie, c'est trop bien et tout ça. Et du coup, j'avais réfléchi, je m'étais dit, putain, moi, il me saoule, je vais passer sur Kick.
Et là, il y a quelques semaines, Twitch a annoncé qu'ils allaient encore baisser la monétisation parce que Twitch est actuellement en faillite. Hein, la boîte ne génère pas d'argent, pas de bénéfices. Et du coup, Kik est arrivé en disant bah, « Nous, nos rémunérations de stream sont largement plus importantes que Twitch. » Et c'est vrai. Il y a pas mal de gros Twitchers qui sont passés sur Kik dernièrement. Et moi, je m'étais tâté. Et je me suis dit à l'époque « Vas-y, c'est chiant le temps que les gens viennent, que la monétisation se mette en place. » Et nanani, et nanana, c'était chiant. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a quelques semaines, je vous ai dit que j'ai découvert qu'en fait, Twitch me prenait 30% de mes revenus. J'avais dit que j'avais mal fait la déclaration l'année dernière, mais là, en re-regardant ça la semaine dernière, je me dis, non, j'ai pas mal fait la déclaration, c'est bizarre. Donc j'ai contacté Twitch, je leur ai dit, bah voilà, vous me devez 1800 balles, entre 1800 et 2000 balles. Ils m'ont dit, oui, pas de problème, on vous envoie le document et tout. Fin de semaine dernière, Twitch m'envoie le document, en disant, voilà, vous faites signer ça par vos impôts, on vous fera le versement. Ok, nickel, pas de problème, je suis content. Samedi ou dimanche, je regarde du coup sur Twitch et je vois qu'en effet, pour mes revenus qui seront payés là ce mois-ci, ils m'ont pas pris les 30%, donc je suis à un peu plus de 300 balles. Je me dis, ah bah c'est cool, ça fait plaisir, c'est quand même mieux. Sachant quand même que Twitch, au début, j'étais à 600-700 balles hein, pour les streams. Mais voilà. Et je me dis, ah trop cool. Et là, tout à l'heure, je parlais avec Geoffrey parce que je voulais lui retoucher des photos de sa famille et tout ça avec le logiciel de Photoshop, de photographe. Et je vais dans mon mail et je vois... Notice on indefinite suspension and termination for Adrien. Je clique et je vois un mail écrit en texte, pas de logo, rien. Donc je me dis, bon, est-ce que c'est une connerie? Et je vois, ils me disent, cher Adrien Sainski, pursuant, attendez, je vais vous le mettre en français, ça ira plus vite. Voilà. Conformément à votre accord de partenaire pour votre compte Twitch Adrien YTB00, nous résilions cet accord avec effet immédiat, conformément à la section 6.3 de l'accord de streamer monétisé ou à la section 4.2.7 de l'accord de licence de contenu tel qu'il peut s'appliquer à toi. Meilleur vœu, partenariat Twitch. Boum ! Je me dis, attends, c'est quoi cette histoire ? Du coup, je regarde, c'est bien un email twitch.tv, donc c'est bien Twitch. Je vais regarder, du coup, l'accord de streamer et tout, et c'est bien marqué que dedans, ils peuvent décider d'annuler ton partnership. Donc, je suis allé guigner sur Internet, et je me rends compte qu'en fait, je suis pas le seul. Il y a énormément de petits streamers comme moi qui se font sauter le partnership parce que Twitch est tellement en PLS au niveau rémunération qu'en plus de baisser les rémunérations encore une fois, et ben apparemment, ils décident de supprimer carrément la monétisation. Donc, ma chaîne Twitch n'est pas bannie. J'ai pas de restrictions. J'ai pas eu... Parce que si ça avait été vis-à-vis de mon contenu, d'avoir été signalé sur Twitch par les haineuses et tout ça, j'aurais été bloqué, ma chaîne Twitch aurait été supprimée, et puis basta, on passe à autre chose. Non, là, ils ont dit, c'est bon, vous pouvez continuer à streamer, il n'y a pas de problème avec votre contenu, mais la monétisation, c'est fini, et c'est comme ça et pas autrement. Donc là, je me suis dit, ok, j'avais déjà pensé à passer sur Kik, mais là, c'est bon, ça m'a largement décidé à passer sur Kik. Voilà. Donc je me suis empressé à créer mon compte Kik. Là vous êtes 65 sur le live, c'est cool. Et je vais juste enlever ça parce que du coup le compteur là n'a plus lieu d'être. Donc je me suis empressé de passer sur Kik et je vous fais un live pour vous annoncer que maintenant mes lives ce n'est plus sur Twitch mais sur Kik. Que vous ça vous change rien, c'est juste, enfin ça vous change juste que c'est une autre appli que Twitch. Une appli qui je pense pour ceux qui sont dessus n'est pas déconnante quoi, c'est pas une appli compliquée ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est fait, on est passé sur Kik. Dans un mois à peu près, je pourrai passer à la monétisation Kik. Vous pourrez vous réabonner, me donner de l'argent et tout, c'est génial. En attendant, bah, je vais travailler gratos sur Twitch. Maintenant, ma grande question, est-ce qu'ils vont me payer ce qu'ils me doivent? Parce que là, quand je vais dans mon compte Twitch, donc je vous dis, hein, j'ai pas d'alerte, rien du tout, mais je n'ai plus accès à ma monétisation. J'ai plus le bouton monétisation partenariat. J'ai plus rien, ça a sauté. Donc... En plus de ne pas avoir accès à mon prochain paiement de 300 balles qui doit arriver là incessamment sous peu, aujourd'hui, demain, et ben en plus de ça, je n'ai plus accès à ce qu'ils disaient qu'ils me devaient bien 1800 balles. Donc je me demande, est-ce que ils vont bien vouloir du coup me payer? Laura me dit, oui, mais t'as les papiers. Je dis, mais même si j'ai les papiers. Ha! Même si j'ai les papiers. Je vais aller porter plainte contre Twitch. C'est ça le gros délire, en fait. Que va-t-il se passer, en soi? Bah, c'est ça, d'ici là que ça passe sous le nez. Oui, abonnez-vous. Hein, bah, là, vous follow. Là, vous pouvez juste follow la chaîne. Vous follow la chaîne, ça sera très bien, la chaîne Twitch. La chaîne Kik, putain, faut que je m'y fasse. Faut juste follow ma chaîne Kik et tout, et ça sera très bien.
Après, quand les abos tomberont, bah, si vous souhaitez vous abonner, vous pourrez vous abonner. Ils sont mignons, les smileys. Oui. Mais ouais, c'est un peu la merde, parce que moi aussi, ça, je vais devoir tout remodifier. Là, vous voyez, et tout ça, c'est faux. Le chat aussi, il faut que je le refasse correctement, les annonces, les machins et tout. Bon, j'ai déjà réussi à lancer avec mon logiciel de stream habituel, donc ça, c'est déjà bien, tu vois. Mais voilà, je vais devoir pas mal retravailler tout ça. Oui, désabonnez-vous de Twitch, hein. De toute façon, ça sert plus à rien, je peux monétiser de toute manière. Donc, inutile. Ouais, c'est eux qui m'ont dit ciao. Ils ont dit écoute, frérot, salut. Je n'allais plus sur Twitch de toute façon. Ben voilà. Donc là, Twitch, c'est la. Alors, je dis pas ça pour moi, ils s'en foutent de m'avoir banni, ça leur change rien. Mais enfin, de pas m'avoir banni, mais d'avoir supprimé ma monétisation, ça leur change rien. Le pire, c'est que j'ai reçu un mail il y a une semaine ou deux semaines où ils disaient qu'ils allaient renforcer le partnership, qu'ils allaient renforcer les règles pour devenir partenaire et que du coup, il est possible que certains perdent leur partenariat, machin et tout. Et je peux même pas repostuler, ça ne marche pas. Le follow ne marche pas sur Kick. Bah si, parce que j'ai déjà 20 followers sur Kick, là. La question, est-ce que nos mamies de l'EHPAD vont réussir à se réinscrire? Je ne sais pas, elles sont même pas là, tu vois. Elles sont pas fidèles, hein. On va perdre l'asile. Bah non, elles vont en profiter que ça soit un nouveau compte, mais... La modération fonctionne et on peut bannir, vous inquiétez pas, hein. Ça fonctionnera pour le bannissement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, maintenant on se retrouve sur Kick. Alors moi, ça me demande plus de boulot, hein, parce que je vais devoir bosser sur le logiciel de stream pour tout remettre propre et tout, comme c'était le cas à l'époque. Donc il y a un YouTuber qui a fait une vidéo très bien expliquée d'ailleurs. Normalement, ça devrait m'aider pas mal pour tout configurer. Après, au niveau qualité image son, j'ai rien touché. Donc apparemment, vous me dites que la qualité vidéo est bonne et le son est bon. Donc déjà, c'est déjà ça. Alléluia. Mais c'est plus de mon côté que ça va changer beaucoup de choses. Déjà, je vais avoir un mois blanc, donc ça veut dire que je vais avoir un mois sans revenu de stream. Bah, bon, après, c'était 200-300 balles. C'est pas non plus énorme, mais c'est quand même ça. Sachant que le mois prochain, les revenus YouTube que je vais toucher, c'est... Alors, ça m'arrange pas du tout. Je comptais sur les 1800 balles pour combler quand même pas mal, mais là, je sais même pas si Twitch va me verser l'argent qu'ils me doivent. Même le chat, je trouve, est plus quali. Bah, moi, en tout cas, au niveau gestion... Pour gérer la chaîne Kick, c'est tellement plus simple que Twitch. Oh là là, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment beaucoup plus pratique à gérer. Donc bon, on verra bien. En tout cas, c'est comme Laura m'a dit avant, elle m'a dit « Écoute, hein, c'est l'occasion de changer, tu voulais changer de toute façon. » Je dis « Oui, c'est sûr. » Mais bon, c'est chiant, ça demande ouais, pas mal de trucs. Hein. Et le reste, ça ne change rien. Bah non, l'application est semble-t-il quand même assez similaire. Donc l'application ne change pas grand-chose pour vous. Là, je vois que je peux activer un chat pour les 18 ans et plus. Il y a la protection par robot qui est déjà activée. Contrairement à Twitch, tu es obligé de payer un truc à côté. Là, c'est déjà activé. Je peux faire un chat pour les followers uniquement aussi. Je peux activer des termes bloqués aussi. Ça, c'est ouf parce qu'il n'y a pas sur Twitch. En fait, c'est plein de trucs qu'il n'y a pas sur Twitch. Et Kick, ils ont une campagne publicitaire très nerveuse envers Twitch. Ils disent une vraie modération, du vrai contenu, une vraie monétisation pour les streamers. Alors après, est-ce qu'on va avoir un TikTok, le syndrome TikTok ? C'est-à-dire qu'au début, ils ont payé de ouf, et après, ils ont dit « Ouais, non, en fait, on vous paye plus autant. » Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi, l'important pour moi, c'est que je puisse continuer à vous faire des lives, que je puisse faire des replays sur YouTube. C'est très important. Et après, le reste, walou, hein. De toute façon, on verra bien. Mais en tout cas, je suis quand même assez content parce que finalement, ça m'a poussé à changer. Moi, Twitch, ça a commencé vraiment à me saouler. Autant la modération, un nombre d'heures à faire pour être partenaire. Alors, c'est très light. Hein. Kick, partner requirement. Il faut que je fasse 12 streams en 30 jours. Bah, ça va, ça fait 3 par jour, 3 par semaine. Un minimum de 75 viewers sur les 30, une moyenne de 75 viewers sur les 30 derniers jours et 300 messages dans le chat sur les 30 derniers jours. Donc, je pense qu'on va y être sans grand problème. Hein. Là, on va l'atteindre sans souci. Là, on est déjà à 80 spectateurs, donc ça, c'est respecté. D'habitude, on est dans les 200. Donc voilà. J'ai 24 followers, donc il faudra que ça monte un petit peu. Et puis après, ça ira. Bah après, j'avais 10 000 followers sur Twitch, j'en aurais pas 10 000, même si j'en ai 1 000, 2 000, je m'en fous, moi. Tout ce que je veux, c'est que les gens soient là.
finger in the nose. Oui, normalement, je devrais pas avoir de problème. Le truc, c'est que je sais pas si c'est 30 jours ou en fait, j'ai... contrairement à Tut, j'ai pas une petite barre là qui me dit voilà votre progression pour être partenaire. Ça se trouve dans une semaine, bah non, parce qu'il faut faire 12 streams, peut-être que je pourrais l'activer. Je sais pas du tout. On verra, la monétisation pour l'instant, quand je vais de monétisation revenu, c'est pas actif. Là, ça charge et ça me dit qu'il faut que je crée un compte, je sais pas quoi. Mais quand je veux le faire, il me dit que j'ai pas l'autorisation pour l'instant de le faire. Voilà, sélectionner le pays, je fais France, crée un compte. Et this action is unauthorized. Donc pour l'instant, je ne peux pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la gestion, mais waouh, c'est tellement plus fluide. Ah, là aussi, alors, j'ai les filtres du chat les moins interdits. Be respectful to another, have a great time. Tac, 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 show monthly gift sub. Autoriser les spectateurs à publier des liens et tout. Ah non, c'est bien fait. Hein. Il y a les émoticônes, je peux mettre mes propres émoticônes sans que vous soyez abonné. Donc ça, ça change aussi. Il y a les badges aussi, les badges VIP, les badges OG. Et la liste des modérateurs. Bah là, du coup, j'ai un modérateur parce que les vieilles ne sont pas encore arrivées. Mais ouais, c'est... Franchement, au niveau ergonomie de l'application, stream et tout, c'est mieux que Twitch. Maintenant, j'ai du boulot pour réadapter tout le stream. Même les paramètres du chat pour nous est top. Ah ouais ? Bon, bah ça fait plaisir à entendre. Ah, je peux envoyer des messages vocaux dans le chat aussi ? Ah, c'est ouf, ça. Le chat est plus clair, ouais. Après, faudra juste que je réadapte, du coup, le chat correctement, là. Parce que là, j'ai mis une capture vidéo, donc faudra juste que je mette l'URL. Mais ça devrait le faire assez proprement. De toute façon, je vais suivre le... Je dis, il y a un YouTuber qui en a fait une vidéo pour expliquer comment ça marchait. Donc je vais suivre sa vidéo et puis ça sera très bien quoi. Une fois que tout sera mis en place, je pense que je suis un peu stressé de me dire est-ce que ça marche, est-ce que c'est performant, donc on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien tourner. Vous êtes 83 spectateurs. Est-ce que j'ai la liste, est-ce que je peux avoir la liste des spectateurs du coup, comme Twitch ? Badge, identité... Tu devrais nous faire une... Oui, oui, non, mais de toute façon, ce live va être en replay là, dès cet après-midi. Hein. Dès cet après-midi, le live est en replay, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Mais j'arrive pas à voir la liste des spectateurs. Contrairement à Twitch. Bon, c'est pas grave. Salut, Sevdan. Moi, ouais, j'ai le chat fenêtré, là, mais j'arrive pas à voir la liste. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas bien? Oui, je vais mieux. Surtout, je vais mieux. Je vais juste virer ça. Je crois que vous m'entendez encore. Hein. Je vais virer toute cette merde là, du coup. Voilà. Du coup. Voilà. Et là maintenant, je peux virer ça et ça. Ah, mais ça. Il y a toujours. Ah, ouais, mais c'est le cadre d'origine, c'est pour ça. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Salut Poppy Pink. Vous êtes 86. Salut Aurélité. Bon, au moins je vous reconnais. Vous avez les mêmes pseudos, donc ça c'est top. Au moins on se perd pas, quoi. On se reconnaît toutes et tous. C'est merveilleux. Ah, oh, c'était le temps de passer sur Kick. Hein. Je dis Twitch, c'était la débandade de toute façon depuis un moment et là. J'attends, je leur ai répondu quand même à Twitch, je leur ai dit en anglais, bah, pourriez-vous me dire pourquoi vous avez pris cette décision? Bon, quand Twitch est en partenariat depuis 4 ans, sans problème, je ne vois aucune raison qui justifie cela. D'ailleurs, quand sera-t-il des paiements qui sont encore dus? Cordialement, je leur ai dit. C'est le signe que c'était le moment. Bah, surtout qu'encore il y a quelques jours, hein, je me tâtais, hein, je me disais, je passerai bien sur Kick quand même, hein. Après, l'avantage d'être. Si j'étais passé sur Kick avant, c'est que j'aurais pu stream sur les deux plateformes en même temps. Et du coup, ne pas perdre de revenus sur Twitch pendant que je cumule des vues sur Kick, quoi. Il n'y a pas de hasard. Oui. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Moi, c'était Nonos, mais je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. J'avais plus le temps d'aller sur tes lives 21h. Pour le coup, 22h me convenait plus, mais c'est pas grave. Moi, c'était 21h30, je crois, avant. Mais en plus, Kik, il s'amuse parce que sur Twitter,
quand il y a un streamer qui se fait bannir de Kick, de Twitch, Kick reposte l'information de bannissement en disant « Coucou, nous on est là !» Ça me fume, leur façon de faire la pub est quand même vachement, vachement bien. Ils sont fortiches. Oui, il faut qu'ils payent ce qu'ils doivent, c'est clair. C'est clair. L'appel de la concurrence. Ah oui, non, mais ils sont Kick, ils ont une... Genre, tu t'inscris sur Kick, quand tu deviens streamer, et t'as une photo d'un mec qui donne un coup dans les couilles à un autre, et en gros, celui qui donne le coup dans les couilles, c'est Kick, et celui qui se prend le coup de pied dans les couilles, c'est Twitch. Vraiment, ils ont... Un peu comme Burger King. Ils ont une com vraiment... vraiment très hard, quand même. Hein. Ils me fument. Après, voilà, je leur jette pas des fleurs à Kick, mais moi, en tout cas, pour l'instant, ça me convient. Et il y a pas mal de streamers qui sont dessus. Ça a l'air de bien marcher, en tout cas. On verra bien. Il y a des gros streamers hein, sur Kick. Il hein. Y a quand même de la grosse chaîne. Hein. Ah, Triskel, il est sur Kick ? Ah bah voilà. Biggest Kick streamer. Alors, qui ? Adin Ross, XQC, Westcall, SXB. Oh, on a du million de followers, quand même, hein. Ouais, on a du million de followers. Hein. Amourante ? Ah, elle est sur Kick, elle, maintenant ? Amaru. Ice Poseidon. Ouais, oh, c'est cool. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein, en tout cas. J'ai galéré à créer mon compte, mais me voilà. Salut, Mandinou. Marina Nana. Alors, avant que je te nomme modératrice, Marina Nana... Est-ce que tu peux juste me confirmer par mail que c'est bien toi ? Tu m'envoies un mail là tout de suite en me disant « Oui, c'est bien moi. » Parce que vu que je pense que les haineuses vont essayer de s'engouffrer dans la brèche pour être modératrice au nom de quelqu'un d'autre. Oui, on a des nouvelles de Libye, bien sûr. Comme Burger King et leur pub. Exactement, c'est ça. Ouais, beaucoup sont partis pour Kick, mais le problème après, c'est qu'on sait très bien que de passer d'une plateforme à une autre, les gens ne suivent pas tous. Ils ne suivent pas tous, et du coup, là, j'avais 10 000 followers sur Twitch, mais je m'en fous un peu du nombre de followers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui viennent dans les lives, tu vois. J'avais pas 10 000 spectateurs à chaque fois. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que les gens vont vraiment suivre. Là, on est quand même 87 spectateurs, donc ça tourne quand même. Ça tourne bien, donc je me dis, bon, ça va coûter combien l'abonnement Kick ? Je sais pas. Prix de l'abonnement. 4,99$ sur Kick. Et je touche 95% des revenus. Ah oui ! Sur Twitch, je touchais 50% des revenus. C'est-à-dire que quand vous payiez un abonnement, je touchais la moitié. Et là, sur Kick, je touche 95% des revenus. On verra bien. Ok, d'accord. Hop. C'est bon, t'es modératrice, Marina. Merci pour ton mail, comme ça au moins, je suis sûr. Ça, c'est du changement. Oui, bon, après, honnêtement, on verra. Pour l'instant, je sais pas... Mais ça va, hein, pour un premier stream sur Kick, vous êtes 90 spectateurs, 28 followers, ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit, hein, vous faites un follow et c'est réglé. Au moins comme ça, hop, on est bien parti. On passe même pas un casting pour être modo. Ah non, on n'en est plus là. C'est qu'une simple migration de plateforme, hein, de toute façon. Hein. Mais ça, franchement, quand j'ai vu le mail, et je me suis dit, c'est quoi ça ? Je vois le mail, mais c'est quoi ce bordel ? Du coup, j'y croyais pas, je suis allé voir sur Twitch, du coup, j'ai tapé Twitch, et je vois que j'ai plus le petit jeton partenaire. Je dis, quoi ? Je suis plus partenaire ? C'est quoi ce délire-là ? Ta-da-da, c'est quoi ça et tout ? Je comprenais pas. Et du coup, je suis allé dans mes paramètres Twitch, et là, je vois que tout a disparu. Enfin, tout ce qui était les paramètres, machin, tout a disparu.
Fini Twitch. Bah visiblement oui. Bien arrivé sur Kick. Nickel. Ouais, Twitch. Non, de toute façon, même si là, ils me répondent à mon mail, qu'ils me payent ce qu'ils me doivent et qu'ils me remettent le partnership parce que c'était une erreur ou je sais pas quoi, non. Non, moi, je dépends pas d'une plateforme qui est aussi instable. Là, c'est vraiment trop instable. Franchement, c'est pas ouf. J'espère juste qu'au niveau des replays, ça marche bien. Eh, j'ai le droit de mettre les replays au moins avec Kick parce qu'avec Twitch, au début, tu pouvais pas. Kick, replay on YouTube. Ouais, je peux les mettre sur YouTube, pas de problème. Ok, bon bah, très bien, nickel. Pour une fois que tu es accepté quelque part, te plains pas. Ah, c'est salaud. J'ai même pas fini de bosser, c'est ça le pire, c'est que ça m'a interrompu. Alors, j'étais en train de parler à Geoffrey pour ses photos. En même temps, je montais les replays de live. Et en même temps, j'ai découvert ça. Alors, je peux te dire que ça a fait beaucoup d'informations à prendre en compte là tout de suite. Ça a été un petit peu le stress où là. J'ai absolument pas fini le montage de mes facecam. Je vais avoir celle-là à monter, ce replay de live à monter après. Chiche. C'est un peu le bazar. Bon, Timmy, elle n'est pas là. Les modérateurs habituels ne sont pas encore là. Enfin, tous les modérateurs habituels ne sont pas encore là. Tu étais bloqué de Twitch ? Ben non ! Non ! C'est ça le pire ! Je n'ai pas été bloqué de Twitch. Je suis pas bloqué sur Twitch. J'ai juste perdu ma monétisation. Voilà. Il y a eu du changement et du coup, ben, je suis plus Twitchable. Ça se trouve, je ferai aussi. Il faudrait que je lui demande, lui, s'il est tout... Ben, attends, je peux aller voir si lui, il est toujours... Toujours monétisé. Poulain, prou. Ah bah lui non plus. Ah bah Geoffrey aussi, il est plus, il a plus la pastille partenaire. Ah bah ça c'est con. Ouais, je pense qu'ils ont fait une purge. Ouais, les modos, ils ont des jolis épées de chevalier. Ouais. Bah sur Twitch aussi c'était ça. Et ça appartient à Kikik. C'est à quelle boîte ça appartient ça? Kick streaming. En activité, machin, parrainage. Waouh, le streamer XQC a signé un accord de 70 millions de dollars pour être sur Kick. Moi aussi, je veux bien. Apparemment, c'est Bijam Terani. Et il y a aussi un streamer qui en ferait partie. C'est un Américain, Israélien, je sais pas trop. Et un gros streamer aussi fait partie des propriétaires du site. Bon, on verra bien. Non, le Saint Robot n'existe plus. Alors, je sais pas s'il existe des solutions pour ça. Je verrai bien, mais honnêtement, là, j'ai rien préparé encore. On n'a plus ta photo soupe au chou. Ah, c'est vrai. Ils ont fait le ménage. Qui change les messages, non? Ça ne veut rien dire ce que j'écris. Comment ça? Il manquera pas à lui. Ah, Hypnissa qui est de retour aussi. Chaque fois que j'écris, ça me met la première lettre en double. Ah ouais? Ah ouais, c'est peut-être un bug, je sais pas. Hypnissa. 77. Tu peux juste m'envoyer un message pour me confirmer que c'est bien toi et tenir ça sur le live, s'il te plaît. Tu m'envoies sur Insta, mail ou peu importe. Juste, parce que je sens venir les gogoles qui vont créer des comptes au nom d'anciens modérateurs pour être modo. Donc je préfère avoir confirmation écrite. Oui, moi aussi, ça me met la lettre en double. Ah, je sais pas. Après, comme je vous dis, j'ai encore des trucs à configurer. Hein. C'est pas tout fait correctement. Hein.
Là, j'ai vraiment lancé à l'arrache et encore. Au début, j'avais lancé sans rien, sans chat, sans rien. Et là, ça va, j'ai réussi. Les petits malins. Tu pourras remettre les toilettes? Ah, mais je les ai, les toilettes. Regardez. Je les ai, hein. Ils sont là. Ça, ça change pas, c'est pas Twitch. Regardez. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. L'essentiel, le plus important. C'est clair. Bon, bah, du coup, vous aurez eu un live sauvage. Nous voilà rassurés. Oui. Tout à fait. Ta boisson, on l'a appelée la chance en bouteille. Ça doit te rappeler des souvenirs à la chasse d'eau. Oh, quelle horreur, oui. Oh. Oh, quelle histoire. Oh, je me sens bien mieux aujourd'hui, hein. Croyez-moi, je suis bien plus en forme. Hein. Oh là là. Je m'en remets. C'était quelque chose, hein. Merci Kessadali, merci Hippocrate pour avoir follow, Tututut pour avoir follow, Lolo Original, Canel, Caro, Sevdan, Dean Léonie, merci. Tu es sous la barre des 100? Ouais, ouais, ce matin je me suis pesé, bon j'ai mangé hier soir, je me suis pesé ce matin, j'étais à 98 kilos. Après ça va remonter, hein, c'est que de la flotte que j'ai perdu, parce que bon, quand t'as été chier 37 fois, au bout d'un moment, c'est que de la flotte. Hein. Le nettoyage de printemps intérieur, ouais. Bah je suis quand même passé, j'ai perdu 5,5 kilos, hein, je suis descendu à 96 quasiment. Hein. Un compte Adria YTB00? Ah non. Alors que, ah, peut-être j'avais déjà créé un compte, mais je crois pas. Attendez, je vais regarder. Kick before and reach more. Never stop streaming. Adria YTB underscore 00. Ah bah ouais, j'avais déjà créé un compte. Bon bah oubliez-le celui-là. Ouais ouais, j'avais déjà créé un compte quand je m'étais fait foutre dehors par Twitch là pendant quelques jours. Donc n'en tenez pas compte, moi c'est Adria YTB. Oui, avec un tiret. Ouais, ouais, mais c'est pas, c'est moi, mais en fait, à mon avis, quand je me suis fait bannir il y a quelques mois, j'ai dû créer un compte en urgence, et en fait, je m'en suis pas servi. Oui, j'ai déjà raconté ce qui s'était passé, oui, tout à fait. Salut Timiel, si c'est bien toi, écris-moi sur Insta pour me confirmer que c'est toi, pour que je te mette en modérateur, mais je demande la confirmation par message. Pour éviter les neuneux de prendre le nom d'anciens modérateurs pour pouvoir les prendre leur place. Il te dit ça aussi, si tu veux être modératrice, tu m'envoies un message sur Insta, ou par mail, ou peu importe, juste pour confirmer que c'est bien vous avant que je vous nomme modérateur pour rien, quoi. La team est bientôt au complet. Non, oh, il en reste encore. C'est bien moi. Ok. Hop, mod. Voilà, c'est bon. Surtout que ma place est très convoitée. Oui, grave, oui. Oui, mais tu te rends compte ce qu'il faut faire quand même tellement elles sont cinglées? Ce qu'il faut faire? C'est quand même fou, hein. Et puis j'ai pas le temps d'attendre notre prochaine réunion nocturne à 4h62 du matin. Là, non. Ah, tu veux pas être modo? Bon, bah, je sais plus si t'étais modératrice ou pas avant, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je te disais ça. Oui, t'auras en facecam. Là, je monte la facecam juste après ce live. Je monte la facecam.